Seit Herbst 2015 bringen Freiwillige des Vereins Aravo und Asylsuchende im Theaterstück Gai Numero 1 gemeinsam die Erlebnisse und Erfahrungen auf die Bühne, die Asylsuchende bei und nach ihrer Ankunft in Vallorbe erlebt haben. Réinvestissons donc soyeux et indépendants, le travail et laissons la copulation joyeux aux races qui tristes défaillent. La pièce Quai numéro 1 nous permet d'avoir des anciens requérants d'asile qui sont déjà partis de Vallorbe, mais qui s'en souviennent et qui participent à la pièce, vous allez les voir. Et puis d'autre part, des bénévoles de Vallorbe qui sont là et qui vont être sur la scène aussi. Donc il y a une magnifique image d'intégration entre les deux groupes. Et ça, pour moi, c'est très très important. C'est une belle image de marque pour le travail d'Aravo. Moi, ce qui m'intéressait, c'est par rapport aux associations qui conduisent un travail avec des personnes marginalisées ou exclues. Qu'est-ce qu'on fait en tant que bénévole comme travail? Qu'est-ce que ça suscite? Pourquoi on le fait? Qu'est-ce que ça suscite pour soi ou pour l'entourage? Le pain, désespoir, des désespoirs, des déceptions. On voulait partir justement des récits du terrain pour parler de ça dans un spectacle. L'ambiance dans le village a beaucoup été un peu dans la méfiance, surtout au début. Et quand nous avons présenté au mois d'avril dernier le spectacle à Vallorbe, il y avait 260 personnes, c'était formidable. Et la surprise à la sortie se lisait sur les visages qui disaient « Ah, c'est ça votre travail, c'est ça que vous faites, alors ça c'est formidable. Et dorénavant, on viendra aussi vous apporter des gâteaux. »